Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NazGamer06 pour une nouvelle vidéo. Et là c'est une dégustation d'un petit plat que j'ai préparé avec soin. C'est un petit plat marocain, on appelle ça un petit tagine de kefta avec sauce tomate, œufs, oignons, ail. Il manque juste, il me semble, du persil et de la coriandre, ça donne un peu de vert. Et avec des épices, tout ça bien préparé. C'est un des plats que j'aime bien, franchement, j'aime bien. Je préfère encore ça que le fast-food. Puis je vais en faire aussi peut-être une vidéo recette, mais sur la chaîne Tuto Tip Top. Donc le lien de cette chaîne, elle est sur ma page principale. Quand vous cliquez sur NazGamer06, sur la droite, vous trouverez. Donc très bonne recette, bon trêve de blablaterie là, on va passer à table tout de suite. Donc voilà, c'est une recette qui se mange avec du pain. Voilà, du pain complet ou du pain blanc, ça change pas grand-chose. J'aime bien le pain complet. Donc là, on peut voir l'œuf, ben, il est cuit à l'intérieur. Là, on voit le jaune et là, on voit le blanc. Et là, les petites boulettes de kefta. Donc là, j'ai rajouté des petits morceaux de tomates, c'était du coulis de tomates. Donc ça se mange avec du pain, c'est normal. Je prends un peu de sauce, hop. Franchement, excellent. Excellent. Donc j'en ferai la recette, un de ces quatre, sur la chaîne Tuto Tip Top. Donc là, la poêle que vous avez vue au départ, ben, c'était pour deux personnes. Donc c'est très protéiné vu qu'il y a à peu près par personne 120 g de viande, 150 g de viande et 2 œufs quoi. Les protéines dans les œufs. Mais c'est aussi assez gras parce qu'il y a le jaune d'œuf, il est gras. Et un peu d'huile pour la cuisson. Donc de l'huile végétale. Et c'est excellent, franchement, c'est excellent. Je prends un peu de sauce. On mange avec les doigts normalement. Je vous montre. On prend le pain comme ça. On ne touche pas la viande directement. On prend le pain. Hop. On prend le pain comme ça avec trois doigts, quoi, en fait. J'ai ma mâchoire qui claque, je suis désolé. Comme je vous ai dit, on mange avec les doigts, on ramène un peu de sauce comme ça et avec le pouce. Il n'y a que le pouce finalement qui va toucher la nourriture. Qui peut la toucher, hop. On prend comme ça et après on suce le pouce. On souffle un peu si c'est chaud. Comme ça on voit avec le pouce si c'est chaud ou pas avant de mettre dans la bouche. Et voilà, j'ai sucé mon pouce. Comme un bébé. Voilà, je vous rassure, on peut prendre une petite serviette comme ceci en papier pour s'essuyer si on veut boire par exemple. Ou on boit de la main gauche en fait, vous voyez ce que je veux dire? On s'essuie avec le pain quoi, le pouce on s'essuie avec le pain. Et c'est excellent comme ceci on fait en fait. Tac. Je vous montre comment on mange à la marocaine. Hop, on ramasse un peu de sauce aussi. Et hop, je n'ai pas oublié sur la route là. Voilà. Toujours pareil, les trois doigts à la place de la fourchette. Franchement, je me régale, je préfère ça qu'un fast-food en fait. Largement. Mais les fast-food, c'est bon aussi de temps en temps, ça fait plaisir, tout qui fait plaisir. Là, j'ai pris un peu de temps pour cuisiner. Et je vous ferai d'autres dégustations, des petits plats que je cuisine comme ceci. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Bon, celui-là que j'ai usé, mon pouce bleu. À commenter, j'y répondrai. À partager la vidéo. À cliquer sur la cloche et à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt les amis les poteaux pour de nouvelles vidéos de dégustation. Mais aussi de gaming, d'actu YouTube, etc. Merci d'avoir regardé. Tchuss!